On attaque à 7h du matin, les coopérateurs arrivent avec toutes leurs châtaignes qui sont préalablement calibrées la veille. Donc le matin, on pèse la quantité de châtaignes qu'on va passer dans la journée. Et à partir de 7h30 environ, on commence à éplucher avec le four qui est à entre 500 et 600 degrés. On commence à éplucher donc et à trier les châtaignes. Du four, elles sortent, elles sont mises sur le tapis de tri. Là, c'est tous les coopérateurs qui mènent leur personnel. Ils sont à peu près une dizaine au tapis de tri. Ils trient donc sur le tapis entre les châtaignes qui vont partir pour la confiture et les autres, ce sont les châtaignes qui vont au marron naturel. Dès la sortie du tapis, les châtaignes qui partent pour la confiture sont mises à cuire. On peut remplir une bassine de cuisson, on y rentre 130 kg de purée de châtaigne qui a été raffinée. On en fait environ 3 ou 4 par jour de bassine comme ça. Une fois qu'il y a la purée, donc, on y mélange du sucre, 60% pour avoir l'appellation de crème de marron. Mais comme ça, elle ne nécessite pas de pasteurisation, de stérilisation à la suite de l'empotage. Et dès le matin, en sortie du tapis, encore une fois, les marrons sont mis dans des pots, pesés et ensuite donc stérilisés dans les autoclaves. Dans les autoclaves, on rentre sur le petit autoclave 500 pots, sur le gros 1500. Et l'autoclave dure 2 heures de stérilisation. Et à la fin de la journée, donc, les coopérateurs repartent avec leurs produits finis, que ce soit la confiture, de la purée ou des marrons. Sur la filière châtaigne, ce qui a été intéressant, c'est que d'avoir l'outil de transformation du frais sur le coin, avec un peu de déplacement, et en se groupant en CUMA avec les autres producteurs, ça a permis de réaliser beaucoup plus de produits, beaucoup plus facilement, dans de très bonnes conditions, tout en étant toujours maître de sa propre recette. Mais ce qui a été comme un problème, c'est le fait qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de matière, produits finis à vendre, et ceux qui ont que les marchés locaux se trouvent à une problématique de qui vendent beaucoup. On se trouve souvent plusieurs à vendre le même produit, pratiquement dans les mêmes variétés. Donc moi, mon idée, ça a été de créer à plusieurs, avec 5 producteurs, on est 6 sur le groupement, c'est-à-dire travailler sur une autre commercialisation qui va pouvoir être vendue plus loin, ailleurs, par d'autres moyens. Un site, une boutique peut-être en ligne, peut-être un commercial qui va tourner, et trouver d'autres marchés. Et là, on est parti sur l'idée d'un produit plus de luxe dans la châtaigne, puisqu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas à nourrir des populations avec la châtaigne, on a plutôt à apporter des nuances de produits, des variétés de produits. Nous, on a créé pas mal de nouveaux produits, et on espère atteindre un marché de luxe, on va dire. On travaille dans cette idée-là. Voilà. Et ça permet de... Ceux qui restent sur les marchés locaux, bon, pourront vendre leurs produits, puisque nous, on se dégagera de ce marché-là, à terme, quand ça sera porteur. Et moi, l'idée, c'est vraiment d'amener un maximum de châtaignes à transformer. On a un savoir-faire, des nombres de pots en nombre, mais on n'a pas...
on ne sait pas vendre en nombre. Donc c'était un peu l'idée, c'est de créer cette association qui est une association pour le moment et qui va cette année, 2015, être sous une forme commerciale. Sur une journée, on arrive à transformer 800 kilos. Et le reste de la journée, donc en fin d'après-midi, on épluche encore 200 ou 300 kilos pour arriver un peu à une tonne deux par jour. Ce qui passe à l'après-midi va en chambre froide et c'est pour l'arrière-saison. Si on produit des châtaignes ou des marrons pour les vendre en vrac, c'est-à-dire sur le marché de gros, hein, parce que quand même quand on produit de la vente au détail, ça peut être intéressant, mais c'est quand même très long, c'est pas évident. On arriverait peut-être à s'en sortir un peu en faisant uniquement de la vente au détail, mais dès qu'on est obligé de faire de la vente en gros, c'est-à-dire à des négociants, hein, qui viennent chercher les châtaignes, alors là, on est payé en dessous du coût de production. Donc je veux dire, à chaque fois qu'on vend un kilo de châtaigne, on a perdu des sous. Si on compte son temps de travail, bien sûr. Donc c'est pas intéressant du tout. Par contre, quand on transforme, on donne beaucoup de valeur ajoutée au produit, comme pour d'autres produits d'ailleurs, il n'y a pas que pour la châtaigne. Hein. Le fait de transformer, d'abord ça permet aussi de conserver le produit, parce qu'il faut savoir que la châtaigne est un fruit extrêmement fragile qui se conserve très difficilement. Si on veut le garder quelques temps, il y a plein d'opérations compliquées, il faut au moins une chambre froide. Enfin bon, la châtaigne est un fruit qui est plein de sucre, plein d'amidon, et si on le stocke pas comme il faut, il fermente tout de suite. Et ça peut ne pas se garder même plus d'une semaine si ça se trouve. Hein. Donc je veux dire, il faut vraiment beaucoup de précautions pour le conserver. Donc si on n'est pas équipé, il faut le vendre tout de suite à des négociants et c'est pas rentable. Voilà. Par contre, quand on transforme, alors là c'est autre chose, on donne de la valeur ajoutée, bien entendu. Il y a un taux de châtaigne véreuse. On peut dire qu'en moyenne, il y a entre 30 et 35% de châtaigne véreuse qui tombe. Donc, les châtaignes véreuses, bien entendu, si on ne veut pas les utiliser pour faire des produits transformés, ni même pour les manger, ben, elles ne sont pas bonnes, hein, bien entendu. Donc, il faut enlever les châtaignes véreuses. Et pour les enlever, pour les trier, donc, ça ne peut se faire qu'à la main. Il n'y a pas de machine qui existe pour ça. Donc, il y a deux solutions. Soit on les ramasse propres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on évite de ramasser les véreuses. On en ramasse toujours quelques-unes, hein, on se trompe un peu, mais enfin bon, disons, et on les ramène à la maison, et après, bon, on les travaille, ou on les transforme, ou on les vend, enfin bon, on les ramasse propres, soit on ramasse tout, et on les trie chez soi. Donc il y a deux façons de faire. C'est plus long, si on ramasse toutes les châtaignes, bon, c'est plus long, parce qu'il faut en ramasser plus, il y a plus de manipulation, plus de manutention, après il faut les retrier, c'est encore une opération qui est longue. Ça présente quand même l'avantage de, quand on enlève tous les fruits véreux d'une parcelle, c'est qu'on décontamine un peu la parcelle et qu'au bout d'un certain nombre d'années, le taux de véreuse de la parcelle diminue. Donc on a cet avantage-là. Bon, ma foi, il y a des gens qui ramassent propre, des gens qui ramassent tout et qui trient après, bon, il y a les deux façons de procéder. Il y a des avantages et des inconvénients pour chacune. Nous, on ramasse tout et on trie après.
la châtaigne, c'est un produit magnifique. C'est vrai que maintenant, les gens mangent de moins en moins de châtaignes parce qu'il faut les préparer, les cuire. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de la transformation, il y a quand même des gens qui font qui préparent de plus en plus de marrons naturels qui sont emballés sous vide, de façon que, parce que sinon, la châtaigne, il faut l'éplucher, la décortiquer. Et les gens, ils n'ont plus le temps de les cuisiner. Mais il y a quelques temps de ça, il y a quelques générations, c'était un des moyens de subsistance, hein, la châtaigne. Les gens mangeaient de la châtaigne beaucoup. Puis c'est bon pour la santé, c'est bon au goût, c'est nourrissant. Enfin, c'est un fruit magnifique, la châtaigne, c'est sûr. Le problème majeur de la châtaigne est donc sa conservation, car plus qu'un fruit ou un fruit sec, c'est surtout une graine qui germe et donne une pousse et qui, par sa richesse en amidon, fermente très vite. Les producteurs ont donc toujours connu des problèmes pour la conserver. Si l'on a parlé de civilisation du châtaignier, outre les nombreux usages et techniques qui étaient associés, c'est peut-être parce que les hommes ont su, au fil des siècles, trouver des solutions afin de conserver les châtaignes durant de longs mois pour faire la soudure, comme on disait à la campagne, jusqu'à l'arrivée des premières récoltes de céréales ou de légumes. La méthode de conservation la plus traditionnelle et la plus performante, celle qui a prévalu durant des siècles jusqu'à aujourd'hui, passe par le séchage dans de petites constructions, appelées clèdes dans les Cévennes, secadou en Rouergue, sicatore en Italie, et qui sont directement installés dans les vergers afin d'éviter des déplacements inutiles de matières premières. Parfois, ils sont proches du corps d'habitation, comme ici, à Dos, mais non attenants, pour limiter un peu les risques d'incendie. Eh ben, tiens, j'ai presque arrêté. Voilà, c'est parti. On va attendre la production. Encore un petit courant d'air pour démarrer, c'est bien. On n'a que 15 cm d'épaisseur de la couche. Comme ça, la moitié, bon, il va sécher plus vite aussi, comme si tout était plein, où on a une couche de 50 cm de haut, tu comprends? Bon, voilà, le retournement, il est fini. On va fermer le trou. Très bien, elles sont très jolies, très brillantes, voilà. Dès ici, dans deux semaines, hein, mi-décembre. Donc le premier, on pourrait commencer à les éplucher, à les passer dans la machine, les éplucher. Bon, voilà. À la sortie, on obtenait les châtaignons, ou blanchettes, qui pouvaient se consommer toute l'année. Ces châtaignes séchées étaient aussi brisées et moulues en farine, notamment dans les Cévennes, en Corse et en Italie.
maintenant dans la cuve. Cette filière sèche était très au point dans les Cévennes, puisqu'Antoine Parmentier consacra une partie importante de son traité de la châtaigne en se basant justement sur le précieux savoir-faire des Cévenols en la matière. La différence, on va la voir, il n'y a pas grand chose. L'écart des entrées pour que la châtaigne passe. Deux systèmes. Un coup d'aspirateur. Je vais fait nourrir parce que je crois qu'il faudra la brosser un peu. T'as vu combien il y en avait? Non. Eh ben, faut regarder. Tiens. Ouais. 32, non? Oh. Oui, c'est ça, voilà. Là, c'est un. Voilà, 32. La châtaigne, c'est un fruit complet. Et aujourd'hui, les Cévenols, qui je pense, ceux qui vont nous remplacer, sont intelligents, vont s'apercevoir que ça devient un produit de luxe. Et c'est ce qui me rend un peu malheureux, quand même, parce que un paysan de Cévenol vendant du produit de luxe, ça devient un peu... Ça devient un produit de luxe, je suis désolé de le dire. Un châtaignon, on va le vendre en gros, nous, 7 euros. Cette année, en gros. Il y en a qui le vendront 9, il y en a qui le vendront 6. Bon, 7 euros de moyenne à peu près. C'est quand même bien vendu, que je sache. C'est presque le prix des berlingots. Donc ça permet de mieux vivre la transformation. Et je crois que ces jeunes l'ont compris, et ça. Alors la châtaigne sèche, elle ne se sèche plus comme nous dans des clèdes. Moi j'ai déjà une clède moderne parce que je sèche sans fumer déjà. Parce que la châtaigne sèche, si vous la mangez sèche, le bajana, s'il est un peu fumé, il est meilleur. Par contre la farine, si vous la faites fumer, elle n'est pas bonne. Donc il faut sécher la châtaigne sans fumer. Alors moi, je séchais sans fumée parce que j'avais fait une clède moderne, elle fait 100 mètres carrés, il y va 20 tonnes quand on arrive à les y mettre. Et c'est une clède, ça ferait une jolie maison d'habitation, pour le dire. Et j'ai une chaudière dedans.
c'est pas une chaudière de surface centrale, mais une chaudière, un grand tuyau qui sèche. Cette année, j'en ai séché 9 tonnes. Alors ici, vous êtes dans un séchoir à châtaigne traditionnel, hein, qu'on appelle en Corse ourada ou sec. Voilà, il se constitue d'un rez-de-chaussée et d'un étage, en fait, un étage grillagé sur lequel on dispose les châtaignes. Et donc, il y a aussi au rez-de-chaussée, ici, on fait des feux de bois. Hein. Donc, on en fait deux, on en fait un sur cette auto-là et cette auto-là. Bon, là, c'est vrai que, à part le temps du séchage, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, après, on s'en sert un petit peu comme lieu d'entreposage. Bon. Donc, le principe est simple, hein, c'est qu'à partir de la mi-octobre, 20 octobre, la récolte de châtaignes commence. Donc, tous les soirs, nous avons un apport de châtaignes qui, préalablement, va être... traité très simplement, c'est-à-dire simplement un triage par flottaison. On a un bac avec un bain, une espèce de bain remous, qui accentue un petit peu la flottaison des châtaignes. Donc toutes celles qui coulent sont bonnes, celles qui flottent sont véreuses ou creuses, donc elles sont écartées. Et voilà. Et après, les châtaignes vont être calibrées, et en fait, on sèche par calibre, parce qu'on a remarqué que ça rendait le séchage homogène. Si on sèche... un séchoir comme ça contient 15 tonnes de châtaignes, donc on fait en sorte, soit on le compartimente en deux, on fait une partie, la partie du fond par exemple avec les moyens, l'autre partie avec les petits calibres, bon, sachant que la Corse est plutôt productrice de petits calibres, hein, mais très très savoureuse et très sucrée. Progressivement, on remplit les séchoirs. Quand les séchoirs sont pleins, au bout de 3-4 jours, parce qu'il ne faut pas trop laisser les châtaignes trop sans feu. Hein. Vous mettez quelle épaisseur? Ça peut monter jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Donc ça veut dire que si on remplit cette surface-là qui fait à peu près 20 mètres carrés sur une épaisseur de 20 mètres, on a 15 tonnes de châtaignes ici. Hein? Donc on a comme ça 6 séchoirs. Et donc voilà, on peut sécher jusqu'à 90 tonnes. Et après, il arrive que les premiers séchoirs, on est vidangé et on repart, on les remplit, hein, avec d'autres châtaignes. Quelle durée là, séchage? 21 jours. Alors là aussi, c'est entre 18 et 21 jours parce qu'en fait, on remue les châtaignes. C'est-à-dire qu'au bout d'une fois par semaine au moins, on arrête les feux et on va, avec des grosses pelles à neige, on va simplement les remuer. Ce qui fait que la châtaigne qui était à 1 mètre, elle va passer en dessous. Bon, mais c'est un petit peu empirique, mais voilà, ça mélange un peu et on gagne quelques jours. Il y a un proverbe qui dit « À bas, la balle est au vogue. Voilà, la pelle vaut le feu. » c'était les anciens qui faisaient comme ça, donc on les pratique toujours parce que c'est quand même quelques jours de bois au moins. C'est de l'énergie économisée, hein. Bien, les châtaignes, au début, on met une couche de châtaignes de 10 à 15 cm sur toute la surface de la quête. Et la chaudière qui est dessous a une extrémité, a un tuyau qui passe tout le dessous du plancher, qui est en ferraille d'ailleurs, pour qu'il ne prenne pas feu, le nôtre. Et on sèche ça, mais il faut attendre que tout ça se soit sec, pas sec, déshydraté un peu, pour pouvoir pousser les châtaignes au fur et à mesure vers l'endroit où il n'y a pas la chaudière, et sécher plus rapidement celle que l'on met. Mais le démarrage, c'est le plus long, parce qu'il faut sécher toute cette surface et le volume du bâtiment pour que la châtaigne sèche vite. Et cette année qu'il pleuvait tous les jours, c'était plus difficile que d'habitude, on a plus longtemps que d'habitude. Mais là, cette année, on a mis 9 tonnes de châtaigne. Et une année, j'en ai mis 21 tonnes une année. Pourquoi j'en ai séché ailleurs ? C'est qu'une clède ne peut pas mettre 20 tonnes de châtaignes et sécher. Il faut les mettre petit à petit. Et une fois qu'on a fait le lit de la clède, qui est à 20 cm, on garde la moitié de la clède, et celles qui sont sèches là où il y a le foyer, on les pousse dessus. Mais le temps qu'on fait le lit, les châtaignes tombent, si on les laisse par terre, se pourrissent. Donc il y a un laps de temps, une dizaine ou 15 jours là, où il faut faire filer ces châtaignes qu'on ramasse. Parce que si on met ça sur la clé, ce qu'on appelle, nous, en langage, on tanque la clède. C'est-à-dire, la chaleur ne passe plus. Et les châtaignes germent. Donc, il faut laisser une chaleur, l'épaisseur qu'il faut, et puis il faut pousser. Et puis, ce qu'on pousse, il faut le remuer. Et puis, il faut mettre dessus, mais pas trop. Voilà. Alors, c'est pour ça. Et la châtaigne sèche se vend très, très bien. Il ne faut pas l'oublier. Parce que la farine est bien. Cette année, on est en train de me demander si je peux leur faire de la farine pour les cosmétiques. Rendez-vous compte jusqu'où on va. Manière, c'est d'abord la création par mon père, donc Robert Sauvezon, d'une clède mise en commun. Ça commence en 1980-1981. L'association s'appelait la Figarette. Donc les gens de la vallée ramenaient leur quantité de châtaignes
asséchées, tout était mis en commun. Les châtaignes sèches, les apporteurs récupéraient leurs châtaignes au prorata de ce qu'ils avaient amené et laissaient 10% de leur part, c'est-à-dire du produit rentré dans la claie en frais, à celui qui faisait le feu. Voilà, ça c'est la première activité sur Manière, ça perdure encore aujourd'hui, même si l'association La Figaro n'existe plus. Ça perdure de façon tacite entre amis, on va dire. La farine en Cévennes, elle n'est pas traditionnelle, c'est un produit qui est italien et corse, pour eux c'est multiséculaire. Pour nous, ça a été juste une façon de valoriser le produit, une autre façon de valoriser le produit. Donc le premier moulin qui arrive sur Manière, c'est donc mon père qui le fait venir d'Alsace, c'est un petit Samap. C'est à la base un moulin, je crois pour le poivre, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois pour le poivre, sur lequel le gars qui fabriquait ce moulin-là à l'époque va revoir complètement un jeu de meule qui sera donc adapté à la châtaigne. Donc. Et puis bien plus tard, à peu près une dizaine d'années plus tard, effectivement, alors on va faire un véritable pont social, un lien social et culturel avec la Castagniche en Corse, et un gros moulin va être fabriqué, voilà. Ça va prendre quelques années, il arrivera donc de Castagniche et aujourd'hui c'est sur celui-là que je travaille. Donc il est un meule de pierre, les meules sont beaucoup plus grosses, elles font 1,20 m de diamètre. Ça n'a plus rien à voir avec le premier moulin qu'on avait. Il fait un produit qui ne chauffe pas, où il n'y a absolument pas besoin de passer, de cribler, c'est-à-dire de passer un tamis derrière. C'est un seul passage, le laminage est très lent, ça fait une farine directement à 108 microns. Bon, c'est du bon matériel, hein. C'est une bonne farine. Voilà, il existe simplement d'avoir un produit excessivement sec. Mais ça c'est le boulot du meunier, quoi.